20h sur Gabon News. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition d'information. Au menu ce soir, après la présidence de la République, l'auto revient à la primature de recevoir la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux. Le Premier ministre a donc reçu ce mercredi 15 janvier les différents vœux de l'année 2014 de la part des administrations publiques, parapubliques, privées et des forces de l'ordre de défense et de sécurité. Et puis nous parlerons dans ce jour de cette conférence de presse donnée par le président du Rassemblement pour le Gabon. Paul Mbabe Solo était donc ce mercredi matin face aux médias nationaux et internationaux. Les détails de cette conférence dans un instant. Parlons à l'ouverture de ce journal de la présentation des vœux au Premier ministre. L'administration gabonaise, public, parapublic, privé, force de défense et de sécurité, tous réunis, ont procédé ce mercredi 15 janvier à la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux, des allocutions à travers lesquelles ils exhortent à plus de détermination pour pousser encore le Gabon à faire grimper les indices de la croissance et de développement. Le compte-rendu avec Kenyongouri et Justin Bitégué. C'est une cérémonie des vœux au Premier ministre qui avait la particularité d'être le témoin de la nouvelle politique de gestion que veut mettre en place le gouvernement gabonais. Malgré les avancées, le constat de quelques comportements déviants, les mauvaises pratiques gangrènent encore malheureusement certaines administrations. Vous avez accordé une grande et juste écoute aux partenaires sociaux. À ce propos, vous avez su montrer la voie en plaçant le dialogue citoyen au cœur de l'action. Ces missions sont consignées de façon explicite dans les 9 axes du plan stratégique Gabon émergent. L'occasion de ces vœux est le lieu d'exprimer les regrets devant la persistance de certains comportements déviants, pourtant déjà décriés avec gravité sur la place publique par les plus hautes institutions. Dans le même temps, le secrétaire général du gouvernement a fait ici l'éloge d'un gouvernement qui grimpe dans les indices et qui règle désormais ses dettes. Monsieur le Premier ministre, c'est aussi avant tout l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pris devant le peuple gabonais, que votre gouvernement a pu traduire en acte et qui a permis la promotion de la stabilité sociale dans notre pays, se traduisant notamment à travers la poursuite du programme de régularisation des situations administratives, dont l'épilogue a été un paiement massif des rappels aux agents de l'État en fin décembre 2013. Ces discours sont la preuve de la volonté des autorités gabonaises de vouloir traduire dans les faits la politique du chef de l'État. Par ailleurs, les bases de l'année 2014 pour le Gabon ont été fixées par le Premier ministre. À l'occasion de cette cérémonie de présentation des vœux, il se félicite du travail abattu malgré les difficultés rencontrées au cours de l'année 2013. Kenyongouri et Justin Bitégué. La tradition républicaine fait que cette circonstance, bien que festive, soit l'occasion de passer en revue les acquis et les difficultés de l'année précédente, de manière à mieux clarifier les priorités, fixer les objectifs, dessiner avec plus de pragmatisme les enjeux de la nouvelle année au service des Gabonaises et des Gabonais. Chacun a pu constater qu'après la régularisation des situations administratives, la promesse du paiement de la perte de soins des agents publics a été tenue et le programme de départ volontaire des agents de l'État lancé. Au cours de l'année qui vient de s'achever, nous avons également donné une large place au dialogue social en conduisant de larges discussions avec les partenaires sociaux et divers regroupements syndicaux. En ce qui concerne tout spécifiquement le dialogue politique, tous les observateurs, analystes et responsables publics ont salué la fluidité des dernières élections, dont l'épilogue n'a pas donné lieu à de violentes et massives contestations, nonobstant une participation beaucoup plus importante que par le passé. Mesdames et messieurs, notre feu de route pour l'année 2014 est tout à fait clair. Sous la forme d'instructions précises par le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba.
Parlons à présent du président du Rassemblement pour le Gabon, RPG majorité républicaine, Poulmbabé Solo, a devisé avec la presse nationale et internationale sur les questions de politique générale avec un accent particulier sur les élections locales de 2013. Le point avec Douglas Tuntum et Fred Dongo. Faire le point de la vie politique nationale en cette année 2014, tout en dénonçant certains faits et comportements du Parti démocratique gabonais au pouvoir et celui de la majorité républicaine à laquelle le RPG est membre. C'est l'objectif visé par cette conférence de presse animée par Paul Mbabé Sol. Ces élections, contrairement à ce qu'on nous a raconté, n'ont pas aidé notre volonté de l'émergence à s'affirmer. Ce n'est pas vrai. Selon le président fondateur du Rassemblement pour le Gabon, la biométrie n'est pas un gage de transparence électorale. Mieux, le découpage du pays en circonscriptions devrait être révisité. Et à ce sujet, je voudrais dire que les circonscriptions électorales devraient être, à mon sens, redéfinies. Pourquoi ? Parce que il n'est pas normal que Libreville, qui a 600 000 habitants, dans les chiffres un peu plus, et moins de députés que la province de Haut-Ogooué, qui a 17. Dans cette logique, il a fustigé la position de la CENAP et celle du ministère de l'Intérieur par rapport au processus électoral au Gabon. Le fait que deux institutions gèrent les élections, c'est un gros handicap. Le ministère de l'Intérieur et la CENAP. Au-delà de toute chose, le président du RPG, Paul Mbabé Sol, a dénoncé la violation de la charte de la majorité républicaine au regard des nombreux engagements non tenus depuis 2 ans. Et en sport, en match d'ouverture du groupe D du championnat d'Afrique des Nations, CHAN d'Afrique du Sud 2014, disputé mardi à Polo Kwané, le Gabon et le Burundi ont partagé les points. L'ancien international gabonais Régis Manon juge positive la prestation des Panthères. Voyons cela avec Mamadou Nian et Fred Dongo. Les Panthères du Gabon ont partagé les points avec les Hirondelles du Burundi à match d'ouverture du groupe D du championnat d'Afrique des Nations. Une prestation jugée positive par l'ancien international Régis Manon. Les Gabonais aussi ont très très bien joué. Et je crois qu'on est bien rentré dans la compétition. Mais je crois que c'est comme d'habitude. Nous rentrons bien dans les compétitions, mais nous n'arriverons jamais à gagner les premiers matchs qui sont importants sur ce genre de compétition. Parce qu'après, vous êtes obligé de rentrer dans des calculs qui fait que vous ne pouviez plus perdre un match ou faire un match nul. Pour l'acteur entraîneur de l'AFJ de Libreville, le contenu était positif, même si les attaquants ont été sevrés de bons ballons. Le contenu en lui-même du match n'était pas mauvais, sauf que je crois que notre milieu de terrain était un peu en dessous de ce qu'on attendait par rapport à nos attaquants et nos défenseurs qui étaient vraiment à la hauteur. Mais par contre, le milieu de terrain, que ce soit Dissékadi ou ceux qui ont joué avec lui à côté, les attaquants n'ont pas pu avoir de ballon vraiment correct pour pouvoir avoir des actions nettes de but. Après ce point pris face à une bonne équipe de Burundi, les Panthères devront élever leur niveau de jeu pour battre samedi prochain la RD Congo vainqueur de la Mauritanie. Et pour terminer, le duel de l'Afrique centrale Gabon-RDC de samedi prochain sera l'attraction de la deuxième journée du groupe D du championnat d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2014. Un match que les Panthères doivent gagner pour espérer la qualification en quart de finale. C'est toujours avec Mamadou Nian et Fred Dongo. La deuxième journée du groupe D du championnat d'Afrique des Nations sera marquée par le derby de l'Afrique centrale qui mettra aux prises le Gabon à la République démocratique du Congo. Un derby pour lequel le Gabon devra retrouver un milieu de terrain plus performant. L'effort, c'est de pouvoir retrouver, je crois, un milieu de terrain assez mature, surtout un milieu de terrain qui puisse apporter les ballons devant. Parce que quand vous regardez ce match en première mi-temps, il y a eu plus de ballons qui venaient de la défense, qui sautaient complètement les lignes pour essayer de trouver Daniel Cousin, qui a fait d'ailleurs un match pour moi vraiment raisonnable. D'ailleurs, je suis un peu déçu qu'on l'ait sorti. Selon Régis Manon, le Gabon doit encore être plus conquérant face à des léopards qui viendront pour gagner. Nous sommes dans une position difficile parce que le Congo viendra pour gagner. Hein. Deux, c'est surtout prendre un point pour être sûr d'être qualifié déjà.
Et après, c'est nous maintenant à nous bagarrer pour pouvoir prendre ces 3 points. Quelle option tactique préconise-t-il ? Il va falloir que Stéphane peut-être rentre avec un 4-2-4. Ça veut dire avec 4 défenseurs, 2 milieux défensifs, 3 milieux offensifs et 2 attaquants. Attaquer le match avec l'objectif de gagner pour assurer un pied en quart de finale, telle devrait être la meilleure option pour les Panthères. Voilà, point final à ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. Restez connectés sur www.gabonnews.com pour la suite de l'information. Au revoir et à demain 20h.